sais pas s'il est en vacances ou si. What the fuck? Wassim et Timmy, vous m'expliquez ce que vous faites là? What the fuck? Là, les gars, c'est moins de 18. Oh, attention, 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 attention. Oh, mais wesh, il a trop de chance, ce petit fou. Oh, il a trop de chance, ce petit fou. Dans cette vidéo, les gars, vous ne rêvez pas, il y a un huge à gagner. Et pas n'importe lequel, en plus, un huge Terror 4. C'est celui, vous savez, du Backroom Pack. Et maintenant, on ne peut même plus avoir le Backroom Pack. On n'a même plus accès au Backroom, donc c'est franchement incroyable. Je vous avais promis qu'on ferait gagner un huge aux 10 000 abonnés, les gars. Eh bien, on n'y est pas encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour gagner un deuxième huge. Mais du coup, aujourd'hui, il y a bien un huge à gagner. Et vous pouvez tous remercier iCux. Parce que regardez, elle m'a envoyé juste là le petit huge, les gars. Bon, il était niveau 1 à l'époque, mais elle lui a mis un charme XP, un charme royalty. Et un charme overload. Du coup bah avec le charme XP je l'ai monté un petit peu niveau 40. Bon je pense pas que ça vous dérangera qu'il soit un peu monté en niveau. Mais du coup voilà le petit huge. Il est franchement très stylé et les gars il vaut 69,9 millions. Donc on peut dire 70 millions hein, clairement. Et il a des charmes de malade. Regardez moi ça, overload, royalty. C'est vraiment une dinguerie les gars. Donc remerciez tous iCux dans les commentaires parce que c'est grâce à elle les gars que vous avez ce petit huge aujourd'hui. Et il y en aura un aux 10 000 abonnés évidemment. Alors pour participer les gars ça va être un peu particulier, parce que là je veux pas juste gagner un exclusif. C'est quand même un huge et j'ai pas envie que ça soit n'importe qui gagne le huge. J'aimerais bien que ça soit un abonné fidèle à ma chaîne YouTube. Parce que en fait le problème c'est que dans tous mes concours tous les jours il y a toujours des personnes qui participent au concours mais qui ne regardent même pas la vidéo. Et je trouve ça un peu dommage parce que parmi tous les vainqueurs des concours je suis sûr qu'il y en a certains qui ont déjà gagné, qui ont même pas regardé la vidéo. Donc je trouve ça vraiment triste et j'aimerais bien que ça soit quelqu'un qui est vraiment actif sur la chaîne. Du coup pour participer les gars il va falloir comme d'habitude mettre votre pseudo dans les commentaires. Mais en plus de ça il va falloir mettre un message secret parmi toute cette vidéo qui est un petit peu longue, je sais, je suis désolé. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, bah je suis désolé pour vous, mais c'est comme ça. Du coup, dans toute cette vidéo, les gars, il y aura un petit message caché. Et puis, donc, vous écrivez votre pseudo plus le message caché et vous pourrez pas tricher dans les commentaires. Vous serez obligé de chercher vous-même dans la vidéo. Et puis, les gars, c'est quand même important de soutenir la chaîne, de regarder la vidéo en entière, de mettre des petits commentaires, des petits likes, etc. En tout cas, bonne chance à tous. Cherchez bien le code vous-même, ne trichez pas. Bonne chance! Dans la dernière vidéo où je libérais mes abonnés de la prison, il y avait un concours pour gagner Super End. Et parmi tous vos commentaires, les gars, on va tirer le petit vainqueur au sol, au genre... on va tirer le vainqueur aujourd'hui. Donc c'est parti, on met directement l'URL de la vidéo YouTube, on fait Select Random Comment, et attention, le vainqueur est Robot Bug. Je veux Super End. Et bah ça tombe bien mec, tu veux Super End, et bien tu vas le gagner. J'espère que t'as bien mis le petit pouce bleu parce que c'était la condition pour gagner. Et donc c'est parti, on est directement en jeu les gars, et devinez ce qu'on va faire, on va lui envoyer son petit cadeau. Le Super Chat est juste là, alors c'est pas lui qu'il faut envoyer, c'est celui-là, Super End, hop, GG, tu as gagné, hop. Send, oui, envoyer, oui. Et tadam! J'espère que ton cadeau te fera plaisir. Bien joué. Ok les gars, alors c'est parti pour s'ouvrir quelques clés Void Chest. Alors calculez pas la barre des subs et la petite citrouille. Ça c'est pour les live Twitch les gars. D'ailleurs la petite citrouille, normalement elle parle. Mais là je l'ai désactivée pour la vidéo. Et ici du coup on a les clés. On va s'en faire quelques-unes ensemble les gars. Oh un truc violet. Ah dommage, c'était pas un vrai violet. C'était un peu un rouge mythique. Allez attention, rien. On va se faire quelques clés ensemble les gars. On va essayer d'obtenir le petit huge. Et puis pourquoi pas. Ok pour l'instant on n'a rien. Bon, mes pets ils m'embêtent un peu là. Vous voulez pas retourner vous amuser plus loin? Oh non on a eu un truc violet mais c'est un Treasure Hunter. C'est dommage. Ok je crois qu'il me reste seulement deux clés. Aïe aïe aïe. La dernière je crois. Ah dommage. On a eu encore un truc violet mais c'était pas le huge. Ok. Et bah dommage. Dommage dommage. Yo tout le monde les gars, aujourd'hui on va s'ouvrir les petites clés de la prison. Ça a été patch enfin, parce que pour ceux qui ne savaient pas, avant il y avait le huge agony. Et quand j'ai vu ça, je savais direct que c'était un bug frère. C'est un peu logique, ils n'allaient pas mettre le huge agony dans des prisons, ça n'a aucun sens. Et en plus, les vrais ont vu sur le site de Big Games qu'il y avait ce petit huge à avoir. Et comme il n'y avait aucune autre solution d'avoir ce huge, parce que vous le savez, mais il y a un huge pour le clan battle. Je vais vous montrer juste ça. Bam. Ici, le huge fragmenté de Dominus dans le clan battle. Il y a le huge axolot dans la roue. Et le huge chat comme ça ici. Et d'ailleurs, on fera une vidéo sur les deux qui sont là, les gars. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, les clés, vu que ça vient de sortir, elles valent 200 000. Donc c'est un peu trop cher. Ne vous inquiétez pas, les clés, elles vont bientôt baisser à peu près 30-40 000. Donc j'en achèterai un max pour qu'on se fasse un opening de fou furieux. Pareil pour l'axolot,
Mais du coup, aujourd'hui, on va se faire les clés, parce que c'est comme les backrooms, les gars. Les clés sont gratos, regardez. Gratos plus untradeable, vous pouvez pas les trade. Alors moi, les gars, comparé à mon clan qui tryhard pas mal, Guillaume, il a pas mal tryhard. Il y a qui a pas mal tryhard? Ploton, Emilien aussi. Emilien, il tryhard de fou. Leura, il a pas mal tryhard. Enfin bref, même Blox, il a pas mal tryhard. Mais du coup, comparé à certains qui tryhard de fou, moi, les gars, je ne laisse pas mon ordinateur tourner H24. J'ai pas envie qu'il explose ou quoi. Et puis j'ai pas de petit téléphone pour faire tourner Pet Simulator. Du coup bah je suis obligé de farmer que quand je suis connecté sur le jeu. Donc là vous voyez que mes pets sont en train de farmer. Et donc j'ai récupéré une centaine de clés. Franchement c'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment pas mal. Et puis on va voir si on va réussir à avoir le huge. On va commencer avec les clés normales. Et puis après on se fera les clés golden, où il y a 10 fois plus de chances d'avoir le huge. Du coup c'est parti, let's go. Ok, premièrement on a rien. Et du coup c'est dommage parce qu'on voit pas le nom de mes amis ou de mes abonnés sur les prisons. Il y a marqué Unno, c'est un peu dommage. Parce que vous le savez mais... Oh par contre frère je sais pas marcher moi ou quoi. Ok c'est bon. Ok. Et du coup oui c'est dommage parce que normalement il y a des abonnés qui sont censés faire des pompes juste là ou qui sont en train de danser. Mais là il y a personne dans la cellule. C'est un peu triste. Mais bon c'est pas grave. Allez on continue. Toujours rien. Les Golden Key on va les faire après les gars, vous inquiétez pas. Mais comme c'est les meilleures clés, bah on se les garde un peu pour plus tard. Si on arrive à avoir le huge dans des clés normales, ça serait déjà très très cool. Et puis après, si... Vous voyez là, je viens d'en drop une, 10 points en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à drop, les gars. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour drop autant de clés. Je pense, les gars, sans vouloir me vanter, que si je farmerais toute la nuit, je serais peut-être dans le top 5 du clan, qui a le plus de points. Je sais pas si je serais top 1, puisque Blox, il a quand même pas mal farmé. Mais parce que moi les gars, regardez, j'ai full enchant Treasure Hunter plus le Super Magnet. Le super Magnet c'est pas obligatoire les gars, si vous pouvez l'enlever pour mettre encore un autre Treasure Hunter c'est encore mieux. Mais il vous faut des drapeaux magnétiques dernière zone, donc juste là-bas, voilà, des drapeaux magnétiques. Comme ça vous récupère tout à la place d'un livre. D'ailleurs, en plus de mes enchantes les gars, je mets plein de potions, Treasure Hunter, tout ça, boum boum boum, comme ci comme ça. En plus des potions Treasure Hunter, évidemment plein de huge. Et aussi, ici les gars, vous mettez un maximum de buff. Vous mangez tout, vous buvez tout. Et ça va vous aider de fou furieux. Et pour les pay to win, vous avez aussi le super drop. Vous allez avoir encore plus de drop. Donc c'est super, super cool. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pourrais clairement être dans le top de mon clan en termes de clés. Mais malheureusement, bah je laisse pas mon PC tourner tous les jours moi. Je sais pas comment ils font les autres. Je sais qu'Emilien dans le clan, les gars, il a un deuxième PC. Il a un PC apparemment tout pourri. Et donc, bah comme il a un PC tout pourri, et bah, il laisse Roblox tourner sur son PC pourri. Et donc, c'est très cool, c'est très cool. Et aussi, Guillaume, lui, il laisse un téléphone tourner. Il a un vieux téléphone qu'il laisse tourner en boucle. Et puis, il le laisse tourner. Ok, première prison, Gianni. Ça, c'est cool. Les clés se sont actualisées. Les clés se sont actualisées, c'est trop bien. Dod Goku. Ok, Son Goku. Allez, régale-nous. Non, dommage. On va voir quel abonné va me donner le huge, les gars. Maxime. Allez, Maxime. C'est un ancien Maxime. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec lui. Attention. Zoro. Ah, Zoro, lui. Lui, les gars, c'est un abonné très actif. Allez, Zoro. Allez, Zoro. Ok, non, pas de huge, dommage. Oh, une clé dorée. Vous voyez ? Clé dorée, 100 points. Tawa Soleil, lui aussi il est pas mal actif. Pas mal actif Tawa. Ok, pas mal. Blox. Ah, c'est pas le Blox de notre clan celui-là. C'est un autre Blox. Ok, rien. On continue. On a Bacon. Pourquoi il s'appelle Bacon? Son skin il me dit quelque chose mais... Son pseudo il a peut-être changé. Preston ensuite, il y a toujours Preston à chaque fois. Allez Preston. Ok, rien. Du coup les gars, pour reset les prisons, vous changez juste le void. Vous n'avez pas besoin de changer de serveur. Je vois il y a des gens qui changent de serveur pour réinitialiser les prisons les gars, mais vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste allé au void. Bon là pour le coup ça... Ah c'est bon. J'ai cru que ça avait flop. Oh Haru. Haru il était actif lui. Encore Tawa. Putain Tawa... Tawa t'as fait quoi comme bêtise pour être tout le temps en prison là? Pourquoi il est toujours en prison? D'ailleurs si vous voulez les chances d'avoir le huge les gars... Sur une clé dorée, c'est à peu près une chance sur 200, sur 600, je sais plus trop. Et puis le normal, c'est à peu près une chance sur 10 000, 8 000, je crois.
J'ai vu ça sur Twitter, les gars. Donc, si vous voulez voir les chances des Huge, vous regardez sur Twitter et c'est Copycat, les gars. C'est un petit chat qui fait tout le temps les chances des Huge et tout. Et puis, il fait aussi les leaks, mais je crois qu'il a arrêté de faire des leaks parce que bah, Preston et Big Games, ils ont un peu. Ils vont porter plainte pour tous les gens qui font des leaks des futures mises à jour. Par contre, les escaliers, ils sont tellement mal faits à chaque fois, je tombe. Ok, on continue. Du coup voilà, si vous vous demandiez pourquoi il n'y avait plus trop de leaks des mises à jour, bah c'est parce que c'est un peu interdit. Allez, Chuvoli, donne-moi un huge. Eh non, pas de huge. Ok, on continue. Bon, j'en ai beaucoup en vrai, ça va être long. Je vais devoir faire au moins 10 allers-retours, je pense. Parce que sachant que j'en ai à peu près 100, il y a 8 clés à chaque fois. C'est-à-dire que si je le fais 10 fois, ça fait 80 clés. Allez, Meliodas. Meliodas, non, dommage. D'ailleurs, pour savoir si vous allez avoir le huge en avance, les gars, c'est très simple. Quand vous voyez les orbes qui arrivent, eh bien, si vous voyez une orbe rose, ça veut dire que vous avez le huge. Enfin, non, pas sûr, parce qu'il y a plein d'items roses. Mais c'est presque sûr, quoi. Vous voyez, il y a très très peu d'items roses. Regardez, on peut attendre un peu longtemps. Ah bah, c'est vrai que le coffre a disparu, je suis gogol. Attendez, je vais vous remontrer. Regardez. Donc là, on voit les 3 huge. Je sais pas si on peut l'avoir en shiny. Je pense pas. En général, quand c'est pas affiché, c'est qu'on peut pas avoir en shiny. Il y a certains trucs, il y a marqué shiny, il y en a d'autres non. D'ailleurs, c'est pas ça, les gars. Ça, c'est mythical, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Les trucs mythical, c'est pas les violets. Voilà, c'est ceux-là. Les exotiques. Donc vous avez 7 items exotiques, les gars. Donc c'est quand même très peu. Plus le huge, ça fait 8 items exotiques. Donc si jamais vous voyez un truc exotique, bah c'est peut-être le huge. Donc voilà. Par contre, là, vous voyez, j'ai eu aucun item violet. Donc je savais à l'avance que j'allais rien avoir. Allez, Coco Pops. Ok, pas d'item violet, c'est pourri. On continue. Oden, attention. Ah, rien non plus. Là, les gars, vraiment, c'est le huge le plus simple à avoir de tous les temps. On va regarder, il y en a combien? Il y en a 4000, les gars. Vous vous rendez compte? Oh, un truc divine. 4000, c'est beaucoup. Ah, mais j'ai déjà fini. Mec, je suis trop rapide. Là, c'est comme les backrooms, les gars. C'est un huge très très simple à avoir, donc je vous conseille tous de le faire. Il y a même un autre truc assez simple, je vais vous montrer, bougez pas. C'est celui-là. Voilà, le huge Lunar Moth. Ce huge, les gars, il est super super simple à avoir. Il a un taux de drop, je crois, très très bas. Encore plus bas que celui-là. Je crois que c'est genre une chance sur 600. Enfin, c'est un huge très simple à avoir. Mais le problème, certes, il est simple à avoir, c'est cool. Mais le problème, c'est que pour l'avoir, il faut faire des quests d'event. Bon, pour l'instant, les quests de la mise à jour, c'est collecter des clés de prison. Donc c'est très simple. Donc c'est pour ça que les gars, profitez-en. Collectez un max de clés. Comme ça, vous allez pouvoir déjà avoir le huge prison. Et en plus, avoir le huge Lunar Moth. Donc voilà, voilà. Faudra que je regarde d'ailleurs. Ah oh bah Guillaume, comment ça va Guillaume? Allez Guillaume, porte-moi chance. Ah dommage, il m'a pas porté chance. J'aurais dû mettre une clé dorée sur Guillaume. Il m'aurait porté un peu plus de chance. Allez, Samesco. Nul. Continue. Tico Boy. Tico Boy. Nul. Preston. Preston, c'est forcément bien, Preston. Allez, Preston. Nul. Allez, on change. Allez, les gars. Pour tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, on va aller se faire les clés dorées. Voilà. Comme ça, tous ceux qui sont partis, c'est ciao. Faut attendre que ça se reset. Wesh, c'est long. Ah voilà, c'est bon. Ok, j'ai combien de clés dorées? Comme ça, on va voir ensemble. J'en ai 10. Ok, c'est parti. Première clé dorée, let's go. Allez, c'est parti. Bonne chance. Oh le flop. Oh le flop. Oh le flop. Là, on a qui là? Freddy. Allez, Freddy, clé dorée. Clé dorée, Freddy. Et flop. Oh mec, ça a l'air d'être une galère. Mais purée, les escaliers. Les gars, osez me dire, les escaliers, ils sont bien faits. Ok, Flaming, c'est parti, Flaming, il va me porter chance. Allez. Oh, nul. Du coup là, je rappelle, on est en clé dorée, les gars. Donc clé dorée, 10 fois plus de chance. Allez, c'est parti. Flop. On continue. Gargouille. Oh, Gargouille, toi c'est sûr que tu vas me porter chance, toi. Ça, c'est sûr. Allez. Oh lolo, flop.
Bah 10. Allez. Frère, il y aura bien un mec qui va me porter chance quand même. Nul. Pour l'instant, il n'y a que des flops. Dylan. Allez, Dylan. Clé dorée sur toi. C'est parti. Nul. Quentino. Allez, Quentino. C'est parti. Clé dorée. Oh. Pouah, dommage. C'était un truc supérieur. Dommage, dommage. Oh, mais on continue, les gars. On continue. Tant que j'ai pas le huge, les gars, j'abandonne pas. Si vous m'avez déjà vu abandonner sur une seule vidéo, les gars. Non. J'ai jamais abandonné. Quand les seules vidéos où j'ai pas eu le huge, c'était parce que j'avais pas eu de chance. Bon, c'est logique en fait. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, les vidéos où j'ai pas eu le huge, bah j'ai toujours fait une partie 2 pour réussir à l'avoir. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ouvre un milliard de clés pour réussir à avoir tous les huge que je veux. Sans les acheter. Attends, je vais vous rappeler un truc quand même. Je vais vous rappeler un truc. Mais tous ces huge là, les gars, c'est tous des huge que j'ai packé moi-même. Je pense que je suis l'un des mecs qui a pack le plus de huge soi-même. Sans compter les active huge, parce que bah, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai FK pas. Mais tous les gros youtubeurs que vous voyez qui ont plein de huge, les gars, c'est soit de 1 parce qu'ils les ont achetés avec leurs gemmes, soit de 2 parce que leurs abonnés ils leur ont donné. Mais sinon, des huge qu'ils ont pack eux-mêmes, ou alors qu'ils ont acheté aussi. Parce qu'avec avec l'argent, tu peux acheter plein de huge. Mais sinon, qu'ils ont packé eux-mêmes, c'est rare, tu vois. C'est très rare. C'est très très rare. Donc on continue. J'arrête de dire de la merde. Et c'est parti. Attention. Oh, j'avais vu un truc violet, dommage. Plus, j'ai plein d'abonnés qui l'ont eu le huge. Pourquoi moi j'ai pas le droit de l'avoir? Non, en vrai, je vais l'avoir, les gars. J'y crois. Oula, je suis tombé. Bon, après, dans les clés normales, c'est moins sûr, en vrai. Parce que c'est 6000, je crois, ou 10000. Bah, je pense que c'est 6000, en vrai. Parce que si le x10, c'est 600, bah, du coup, divisé par 10, enfin, bref, vous avez compris. Oh, big game. Allez, big game. Nul. Ok, on continue. Nul. Mais j'ai déjà fini. Attends, mais je suis super rapide en fait. Je suis très rapide. Allez, on continue. Nul. D'ailleurs, désolé pour le bruit de tous les items désagréables qu'on récupère à chaque fois, mais bon. Ça va. C'est pas trop désagréable. D'ailleurs, les gars, je suis passé niveau 28. On avait fait un live Twitch où je montais mes niveaux. Eh bien, je suis enfin monté, les gars, niveau 28. Enfin. Ça fait plaisir. Bon, on va casser le petit coffre parce que je sens qu'à l'intérieur, il y a des jolies clés. Ah non, pas du tout. Allez, on continue. Oh, il y a un écureuil qui fait du sport. C'est Shint. Phoenix. Oh, Phoenix. Vous vous rappelez de Phoenix, les gars? C'était celui qui faisait tous les concours à l'époque. Frère, c'était trop un goat. Mais là, je crois que... Je sais pas s'il est en vacances ou si... What the fuck? Wassim et Timmy, vous m'expliquez ce que vous faites là? What the fuck? Là les gars, c'est moins de 18. What the fuck? Alors là, j'en ai vu des choses les gars. J'en ai vu des choses. What the fuck? Je m'attendais... Je m'y attendais pas à celle-là. Mec, non, la dinguerie. Oh, la dinguerie. je sais ce qui se passe dans les prisons, les gars. Mais je m'attendais pas à voir ça dans Roblox. Ouais. Vous savez, dans la vraie vie, les gars, dans les prisons. Dans les prisons, il se passe des choses. Mais là, frère... Non, là, c'est chaud, là. Ouais, je Preston. Il a pas honte. Il y a deux abonnés qui sont en train de... Non. Vas-y, les gars, on passe à autre chose, ok. On oublie. Faites comme si vous avez rien vu, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il faisait, mais tranquille. Faudra nous expliquer dans les commentaires, les gars, ce que vous avez fait, parce que, bon, bizarre l'ambiance. Donc on continue. Voilà, Niroax, vous voyez, lui, il est normal. Il fait ses pompes, tranquille. Il fait pas des trucs bizarres. Donc on continue, T-Max. Mec, on va l'avoir le huge un jour ou pas? On a réussi à avoir le Strong Pets Mythical. Ok, Raven. C'est parti.
Oh, Rainbow Flag. Pas mal. On continue. Nul. On continue. Attention. Nul. Encore, 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 encore. J'abandonne pas, j'abandonne pas. Nul. En fait, la vidéo, j'ai l'impression que c'est juste moi qui ouvre des clés et qui dit nul à chaque fois. What the fuck? C'est encore Wassim en plus. Non mais Wassim, il en a pas marre de... Wassim, frère, arrête de faire des bails avec tout le monde. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Wassim, faut qu'il se calme. Putain, non, le pauvre, en plus, il va voir cette vidéo, il va se dire non. Non, j'ai fait des dingueries. C'est pas grave. On le soutient, les gars, on le soutient. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ok, première gold key, c'est parti. Allez, x10 huge. Ah, dommage. Vous savez quoi? Deuxième gold key, direct, dans la foulée. Trixis en plus le GOAT. Ah non, dommage. Je crois que j'ai plus de gold key. Ah si, j'en ai peut-être une autre. C'est ma dernière, je pense. Ah non, j'en ai plus. Oh, purée. Oh, je suis dégoûté. On n'a plus de gold key. Bon, bah, on va continuer avec les autres. Hein. Les kiki, normal. Mais en vrai, c'est tellement chiant. T'es obligé d'aller de prison en prison à chaque fois. Changer de serveur, ouvrir tes coffres, ouvrir la prison. C'est super long quand même. Tout ça pour un chat qui est en prison. Purée, non. Mec, je suis trop nul ou quoi? Mais je vous ai dit, les escaliers ils sont un peu cassés. Ok, nul. Continue. Nul. Continue. Oh, c'est trop long, frère. C'est trop long. Il me reste combien de clés? On va regarder, vous savez quoi? On se spoil, on se spoil. Alors, il m'en reste... Quoi? Encore 36? Mec, c'est super long. Oh, j'imagine pas les gens qui ont 3000 clés. D'ailleurs, les gars, dites-moi en commentaire. Tous ceux qui ont 1 milliard de clés, les gars. Genre, vraiment, tous ceux qui en ont plein, plein, plein. Genre, au moins... Au moins... Allez. Au moins... 1000. Tous ceux qui ont... What the fuck? Tous ceux qui ont au moins 1000 clés, vous en faites quoi, les gars? Parce que vous pouvez pas les trade, vous pouvez pas les vendre. Donc, est-ce que vous les ouvrez ou vous les gardez? Parce que vous avez la flemme. Parce que j'avoue que ça doit être trop chiant. T'imagines, toute la journée, tu ouvres des clés comme ça. Waouh, la flemme, hein. The big flemme. Ouais, c'est quoi ce skin de fou? il mange le sol, carrément. Ça va, mon ref, tranquille. On continue. Ok, toujours pas. On en a encore pas mal en vrai, donc ça va. On est à 2/3 à peu près. Oh purée, dommage. Diamant charme. Dommage, là ça aurait vraiment pu être le huge, les gars. Ça aurait vraiment pu être le huge. Aïe 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 aïe. On continue. D'ailleurs, attendez, je crois que j'ai un truc à ouvrir, moi. Regardez-moi ça. Attendez. On a un joli global event à ouvrir. Que j'ai eu en farmant mes petites clés. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage parce que le Lunar Moss, il est vraiment pas rare, mais bon. Après, c'est sûr que... Ah, les gars. C'est sûr que c'est pas en ouvrant un seul cadeau que je vais l'avoir. Ça, c'est sûr. C'est pas non plus une chance sur une, tu vois. Il en faut, je dirais... Une petite cinquantaine de cadeaux et puis bonne chance, quoi. Allez, on continue. Preston. Preston, c'est parti. Régale-nous, Preston. Ouah, wow, éclaté. Allez, Juju, peut-être. Ah, il m'a bloqué à l'aide. C'est parti. Nul. On continue. Voilà, c'est Gromit. C'est parti. Ce qu'on va faire, les gars, je pense que ce qu'on va faire, c'est que l'event, il dure encore 5 jours, les gars. Et cette vidéo, vous la verrez pas avant 5 jours, dans tous les cas. Puisque la vidéo de mercredi, c'est la vidéo de la mise à jour. Vous avez l'habitude maintenant, vous me connaissez les gars. Tous les mercredis, vidéo de la mise à jour. Et tous les samedis, vidéo un peu aléatoire, ça dépend. Du coup, cette vidéo, comme vous la verrez pas avant longtemps... Oh, un petit cadeau, trop mignon Mathieu. Coucou, tu es un bon youtubeur, c'est trop gentil ça. C'est trop gentil. Du coup, je disais... Bah, je sais plus.
Bah merci Mathieu, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave les gars, let's go baby, on continue. Attends, j'ai plus de clé? Ah si, ça va. Attention, nul. Allez, le bougre. Parti. Nul. Go go Power Rangers. Allez, nul. Boum boum boum. Ouais, du coup, je disais, je viens de me rappeler en fait. Quand vous verrez pas la vidéo avant longtemps, eh bien, j'aurai le temps de farmer. Et j'aurai le temps de rajouter au montage quand j'aurai le huge. Parce que en vrai, je veux pas me porter la poisse, les gars. Mais à moins que Big Games y change les taux de drop. Enfin, honnêtement, le huge est vraiment facile à avoir, les gars. Il est vraiment facile. Donc à moins qu'il change les taux de drop, je devrais l'avoir gratos dans les clés. Et donc je vous mettrai ma réaction quand je l'aurai, évidemment. Mais bon, en attendant, il reste 5 jours. On va se concentrer, il nous reste quelques clés. Et c'est parti. Go, 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 go. Il nous reste combien de clés? Attends, fais voir. Il en reste... Je sais même pas où elles sont. 14. Ok, 14, c'est parti. On a encore 2 allers-retours et après c'est fini Topipo. En fait, faudrait limite que je paye un abonné pour se connecter sur mon compte et qu'il ouvre toutes mes clés à ma place. Ce serait une bonne idée en fait. Et je lui ai dit, ok mon gars, je te donne 5 euros et tu t'ouvres toutes les clés pour moi, parce que je suis un gros flemmard. Non, en vrai, peut-être pas la meilleure idée de l'année. Il va juste me voler mon compte en fait. C'est la pire idée que j'ai eue de l'année, les gars. Écoutez pas ce que je dis de la merde. Le mec il va vendre tous mes huge. Et après je vais pleurer. Attends, les escaliers, s'il vous plaît les gars, comptez combien de fois je suis tombé dans les escaliers. S'il y a un mec qui a réussi à compter combien de fois je suis tombé dans les escaliers, je pense que je vais lui donner un petit exclusif en bonus. Mais il faut la bonne réponse, attention. Si tu me dis que je suis tombé 3 fois alors que t'as pas compté, voilà quoi. Allez, on continue. D'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui vont rester jusque là. Si jamais les gars vous avez les void key ou les void tickets et que vous les utilisez pas ou que vous avez pas envie de les vendre, et ben n'hésitez pas à me les envoyer, comme ça je pourrais faire la vidéo plus vite. Parce que si le prix il est encore trop haut dans une semaine, ça va être un peu galère. Parce que j'aimerais bien en acheter au moins 1000, tu vois. Donc ça serait sympa de votre part. Mais que ceux qui peuvent les gars, ceux qui viennent de commencer le jeu, gardez vos sous. Enfin je dis vos sous, mais vos gemmes plutôt en fait. Parce que c'est pas vraiment des sous. Allez, on continue. Toujours pas. Mec, c'est trop long. J'en peux plus. Je préfère ouvrir des clés, 5 milliards de clés, plutôt que me balader dans les prisons là. Et la dernière clé, je crois. Parce que je crois que j'en ai plus. Et ouais. Ok, bon, on n'a rien eu. En combien de clés? Une centaine de clés, je crois, je m'en rappelle plus. Donc bon les gars, si vous avez la flemme de le faire, voilà quoi. Ok les gars, c'est parti. On est avec le petit Emilien. Et il va s'ouvrir plein de trucs. Il a acheté, je crois, 4 Lucky Blocks. Donc les Lucky Blocks sur Big Games. Il a aussi acheté, je crois, un pack de peluches avec des codes légendaires, etc. Donc on va voir ce qu'il va ouvrir de beau. Et en attendant, moi je vais regarder une vidéo. Oui Thomas, c'est 6. Par contre, déjà, vu qu'elle est solo électro... Un par un. Oh purée de pommes de terre. Normalement, c'est, je sais plus c'est combien, c'est 10% je crois. RIP. 15% de chance, ça va en vrai. Oh, attention. Oh, mais wesh, il a trop de chance ce petit fou. Oh, il a trop de chance ce petit fou. Oh, il a trop de chance ce petit fou. Oh, l'exclusive huge steel cat. Oh là 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 là. Oh, mais il continue, il avait dit le dernier. Il est crazy ou pas? Bon, faut pas abuser non plus. Oh purée, paroquet. Le perroquet. Bon, je rêve, lui là-bas, regardez, il a les ailes de Fortnite gratuits là. Oh, le dernier, attention. OMG. Eh, dommage. Wesh, il m'a même pas attendu. Ok, le premier, capybara éclaté. En plus, déjà, il est moche, les capybaras, c'est tous des merdes. Non, wesh. Non, la team des capybaras, ils vont m'insulter après. Ok, le capybara. Bon, en vrai, il y en a plein qui l'aiment bien, mais c'est pas une dinguerie de l'année, de toute l'année.
Mais ça va. Ok, suivant. En plus, il a même pas eu en shiny Rainbow Gold. Donc un peu flop en vrai. Normalement, t'es censé l'avoir, tu vois, au moins un petit gold. Normal. Tête de Neuil humide de frère humide. Jacko, Joko, Gigi, Joujou. Wesh. Pourquoi il saute bizarrement lui, les gars? Il s'appelle comment en plus? Bloods. Ok, c'est parti. OMG Titanic? Non, arrête, c'est un Titanic ça. Oh, il est trop mignon ce Baby Shark! Ce Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Mais pourquoi Super One il a. Il a un astronaute dans ses cheveux? Pourquoi il a un astronaute dans ses cheveux, frère? Ok. Les deux derniers. Pour l'instant, un peu un flop. Mais on est qu'à la moitié, il en reste deux. Baby Shark. C'est parti. OMG. Un Blouse qui se réveille. OMG Titanic. Je me mets dans l'œuf. Encore. MDR le même, rip. Wesh, il a eu deux fois le même, frère. J'aurais pleuré à sa place, moi. J'aurais pleuré, frère. Il a eu deux fois le même. Ce Neuil, les gars, ce Neuil veut gérer une Latina. Allez, dernier, attention. On va leur montrer la chance du débutant. C'est parti, mon kiki. Allez, le dernier. Allez, encore un Titanic. Ouais, c'est une dinguerie. Et... Oh. En vrai, il en a eu des stylés. Bon, bah, dommage, GG à lui.